Salut les amis, on se retrouve donc aujourd'hui. Bon, déjà, c'est même si le tard, hein, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Go. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. On va essayer de voir ce que je peux faire pour l'instant parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Donc, ça commence bien. Donc, on a un petit Capuma dans les dans le coin. On va se le faire, j'aurais mieux fait de faire autrement. Pas grave. Donc, c'est surtout une séance d'évolution. On va essayer de faire pas mal de petits trucs. Donc on va faire des évolutions, on va faire des évolutions et peut-être quelques captures s'il y en a qui se présentent. Voilà. Donc c'est un nouveau téléphone d'ailleurs. Ouais. Donc j'ai changé il y a quelques mois. Bon, après je vais pas prendre tous les Pokémon qui se présentent parce que c'est un peu de la merde ce qui se trouve là. Donc là ça c'est fait, normalement j'ai un autre. Non? Ah, pourtant il me semblait en avoir mis deux. Ah, qu'il y en avait deux. Donc voilà, donc on va commencer à aller par ici. Normalement je peux faire évoluer lui. Oui. Donc on va se faire un Florizarre. Donc j'espère qu'il y aura assez de batterie dans l'un et dans l'autre. Hein. Donc voilà. Donc il y a pas mal de petits trucs, c'est vraiment sympathique et tout. Et putain, en plus c'est vrai que le soleil, on peut le voir. L'autre là-bas en fait aurait été mieux. Je sais pas, on verra. S'il n'y a plus une coupure de batterie ou quoi que ce soit, je me déplacerai ce poste là-bas. Si je serai un peu à l'ombre. Parce que là j'ai vraiment le soleil en pleine poire. Hop, on fait évoluer en Florizarre. Ce qui est bien aussi avec le Wewe que j'ai là, c'est que avant, pour capturer l'écran du téléphone, j'ai besoin d'une application en fait pour pouvoir regarder, enfin, filmer l'écran du jeu. Mais au final, maintenant, j'ai pas besoin en fait avec le Wewe. Il y a une fonction de capture d'écran. Ça, c'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire qui pourrait m'être utile? On va voir ça, on va faire un petit tour. Est-ce qu'on se fait un petit... Non. Est-ce que je peux me faire un... non, je peux pas le faire entièrement. Parce que je voudrais me faire un Abra. Un Fantominus et c'est quoi le dernier? Et un Grolem et un Machoper aussi, un Macognor plutôt, pour envoyer sur Let's Go Evoli, Let's Go, sur mon Let's Go Pikachu pour pouvoir compléter mon Pokédex. Donc est-ce que je peux le faire ici par exemple avec celui-là? Non, j'ai pas assez de bonbons non plus. Pourtant il y a beaucoup de racailloux dans le coin. Beaucoup, beaucoup. Donc je sais pas si c'est très gênant, mais il y a pas mal de bruit extérieur vu qu'on est juste vraiment à une périphérie très proche du centre-ville. Là, oui, on peut appeler ça la centre-ville. Alors qu'est-ce que je voulais... J'ai pas de poissiéroi. Ouais, pas de poissiéroi de... Ah non, mais c'est en gros j'ai fait... Ouais, je les ai fait évoluer. En fait j'ai fait évoluer justement en poissiéroi. Pas en potion, ni pour roi plutôt. Alors, on va commencer par ça parce que j'ai beaucoup de bonbons, non, beaucoup de pas de bonbons, mais de peau métal et tout ça. Donc, on va les faire évoluer tout de suite. Surtout que je l'ai pas. Je sais plus sinon, c'est Cizaïox. Oui, je crois que c'est ça. Cizaïox que je n'ai pas dans le jeu. Encore, en tout cas. Voilà. Nickel. 2006, on est pas mal, hein. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Est-ce qu'on peut se les faire Ah non. J'ai pas les bonbons suffisants pour lui. Lui non plus. Je vais peut-être en faire évoluer un ou deux. Donc j'ai quelques shiny. Donc j'ai un Scarabrut Shiny, j'ai 2-3 autres Pokémon en Shiny.
Allez, on fait un petit évoli pour le fun. Et espérons que ce soit les nouveaux évolis. Les nouvelles évolutions d'évoli plutôt que les autres. Et ben, on aura un aquali. Je supprimerai ou pas, on verra. En fonction de ses stats. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas mal de ronflex. En fait, c'était au moment où où il y avait l'event du ronflex qui dort. Lequel qui est mieux? Donc là, par contre, on va se faire un crocorib. Non, un croco. Je sais plus le nom. Donc c'est vrai que ce jeu, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo dessus. Mais j'ai pas vraiment abandonné le truc, même bien au contraire, parce que j'ai toujours continué, on va dire, à alimenter le truc, plus ou moins, hein. On va pas dire que non plus j'ai vraiment porté un intérêt abusé, hein. Mais voilà, en gros, j'ai vraiment. Voilà. C'est quoi? C'est pas Crocorib? Ou Croco. Je sais pas quoi. Ah, j'ai pas regardé si je pouvais faire un macronium. Un alligator. Pourquoi un Crocorib? J'en sais rien. Alors, j'ai 85. Ça sera pas suffisant, 85. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire encore? Un Togepi. Je pense pas avoir assez de bonbons. Non, pas du tout. Parce que j'ai eu qu'un seul Togepi depuis le début. 106. C'est vrai que je joue, mais on va dire que je passe de temps en temps, quoi. Je sais même plus combien j'en ai. Allez, on se lance un Capidex. Je sais plus combien j'en ai de ces objets là, les trucs de Sinnoh. Je dois en avoir 3, je crois. J'en ai pas eu beaucoup. Après, je sais qu'on peut en avoir dans les cadeaux, je crois, en faisant des combats d'entraînement. Je pense des combats contre d'autres joueurs aussi. Donc voilà. Après, j'ai pas beaucoup. Expérimenté, on va dire, mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore regardé. Tournegrin, d'ailleurs, ça fait partie de l'un des events qu'il faut que je fasse. Il y a une pierre soleil qu'il faut, ça m'arrange parce que faut que je m'en débarrasse un peu. Donc voilà, nickel. Nickel, nickel, donc voilà, il a évolué. En même temps, j'essaye de remplir un maximum mon Pokédex, histoire que ça se fasse bien et vite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Yanma. Non, pas cette bonbon. Et ça m'étonne qu'Apen aussi. Est-ce que. Normalement, eux, je peux les faire évoluer. Je vais les faire évoluer tous les deux. Je vais me faire mon Cornèbre et mon Feuforêv. Et après, on sera pas mal. Parce que je crois que les deux, non, j'ai plus de 100 bonbons. Ah merde, j'ai plus de batterie. Donc vous avez perdu quelques brides sur le téléphone. Désolé. En gros, quand j'ai refermé mon téléphone, ça a coupé l'enregistrement du téléphone. Je suis vraiment désolé. Donc normalement, vous avez loupé le Magirev que j'ai fait évoluer. Je suis vraiment désolé. Du bleu là d'ailleurs, mais en gros il y avait Magirev et voilà. Désolé sur ce coup là vraiment. Donc est-ce que je peux le faire évoluer? Normalement non. Voilà, parce que j'ai plus de bonbons de Sinnoh. Je vais peut-être essayer de faire un petit truc après pour en avoir. Est-ce que je peux me faire un Marcacin? Mais il faut aussi un Mamochon plutôt. J'ai pas de bonbons. Un Débugante. J'ai pas assez de bonbons. Un Lélékid non plus. Un Magby non plus. Est-ce que j'ai assez pour un Brillex? Non plus. Un Arco. Oui, j'ai assez pour un Arco. Donc on va se faire un Junko. Tout de suite. Donc je sais pas combien de temps ça fait de vidéo à peu près là.
Hop. Donc j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui, en plus. Donc j'essaie de faire ça assez vite. Tac. Donc voilà un petit Junko. C'est vrai que j'aurais dû mettre un 9 chance. Comme ça aurait doublé tout l'XP que je me fais là. Mais bon, tant pis. Donc un Junko. Et non, je crois que je peux me faire un je sais plus comment ça s'appelle. Oui, pile poil. Je peux pile poil m'en faire un de comment il s'appelle? Ah, je sais plus le nom. Mais ce qui est bien, c'est que je pense que vous le voyez aussi, le curseur, que quand j'appuie sur mon téléphone. Ça me paraît pas plus utile que ça sur des jeux comme celui-là, mais après, peut-être que pour vous, oui. Enfin, votre point de vue, oui. Hop, donc, pourquoi? Mais comment ça? Ah merde, c'est 150 qu'il fallait pour lui. Bon, bah, donc il n'y aura pas de surévolution, on va dire. Fait chier, j'avais oublié que c'était 150 et pas 120 qu'il fallait. Pour ce genre de Pokémon, 125 plutôt. Paracool, où est-ce que t'en es toi? 60, donc c'est pas terrible. Toi, voilà, on va faire évoluer un Balignon. Après, il faut savoir qu'en règle générale, je garde que les plus forts, les plus faibles, et chut, dégage. Parce que j'ai pas beaucoup de place. Voilà. Et là, il faut que j'acquérisse plus de pièces afin de pouvoir débloquer plus de place pour les. Pour des. Pour d'autres Pokémon, quoi. Voilà. Hop! Qu'est-ce qu'on a encore? Un Roselia, mais je crois que j'ai voilà, j'ai pas le truc. J'ai de quoi le faire évoluer Roselia, mais j'ai pas les bonbons de Sinnoh. Qu'est-ce que j'avais? Toi, est-ce que j'ai les trucs qu'il faut? J'ai de quoi faire, mais pas pour la suite, je pense. Ça, je vais. On va faire celui-là. Et là, franchement, celui-là, c'est la première fois. Mais c'est un peu comme la première fois où on fait évoluer un Magikarp. C'est à peu près le même principe et ça prend énormément de temps. À part si y a un event ou qu'il y a du vent, je crois que c'est quand il y a du vent qu'il y a ce Pokémon-là qui apparaît le plus. Et qui en plus est boosté. Donc c'est vraiment intéressant. J'adore avoir ce Pokémon. Non, franchement, c'est nickel. Donc voilà, hop, alors à quoi on va passer par la suite? Donc Altaria qui fait 1700, c'est pas ouf, hein. Il faut beaucoup de bonbons, mais c'est pas ouf. Après, il peut être très fort et pas avoir. Donc on va faire évoluer Balbuto en Kaorin. Ça va, ça passe beaucoup quand même là-bas derrière. Non, vous devriez pas trop entendre le son du tour parce que en gros j'ai fait un peu exprès que je sois un peu renfermé dans le truc pour éviter d'avoir trop de bruit extérieur. Et y en a, mais peut-être pas autant que ça pourrait être. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? Un Barpo, on va faire évoluer, je sais pas c'est lequel, c'est celui-là, pile poil. En Milobélus. Ah, j'ai un mail. Ok, de Facebook. J'utilise pas souvent d'ailleurs. Donc j'espère que je me cadre bien. Normalement, oui. Donc un petit Milobélus, niveau combien? Donc pour faire le Milobélus, c'est un peu particulier. 1700. Oh, ça va. Pour faire le Milobélus, c'est un peu particulier. Je crois que c'est le seul qui est comme ça. En gros, on voit qu'il faut avoir une certaine quantité de bonbons. Et en plus, il faut avoir fait 20 km avec Abarpo. Donc, voilà. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Là-dedans, est-ce que je peux faire un Drabi qui est un Pokémon que j'aime beaucoup? De cette génération-là, en tout cas. Drattak. Allez, on se fait un petit Drattak. Je crois que c'est ça. Hein, Drattak. Si je me souviens bien.
Lui aussi, c'est vrai que je l'aimais bien un temps, mais c'est pas. Non, en fait, je préférais quand même Drabi par rapport à celui-là. Voilà. Hop. Non, mais Tang. Mais c'est pas Drabi. Je sais plus son nom. Hop, donc il est déjà pour moi 8h moins quart. Je sais pas si vous voyez la barre que j'ai en haut ou pas. Non, c'est pas mais c'est pas de rattaque, c'est autre chose. C'est un autre rattaque, c'est Metalos, voilà. Et il a des plutôt bonnes attaques, on va dire. À 3000. Ah ouais, lourd. Et en plus, je peux encore l'augmenter. Il est à 3000. Je crois que c'est le premier que j'ai à 3000. Hein. C'est le plus puissant de mes Pokémon. Hein. Donc on a Latias, Tortipousse. Qu'est-ce que t'as? T'as pas grand-chose. Wistikram, ça doit être pareil. Et Tiplouf. Parce qu'il me semble que Tiplouf, j'en avais un peu plus. Étourmi. Qu'est-ce que j'ai pour Étourmi? Non, ça sera pas suffisant. Normalement, toi, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Donc on va faire évoluer Kenotaur. Oh, que je vois pas, que je sais plus le nom. J'ai vraiment des noms que j'ai zappé. Ah, d'ailleurs, je suis passé sur Fantominus. Ah, mais je crois que Fantominus, j'ai déjà. Je dois déjà avoir le truc. Krixik, peut-être. Oui, un petit Krixik que je vais faire évoluer. Oh, je sais plus non plus non. Bah. Après, c'est vrai que sur bah, si pourtant ce jeu-là, j'ai bien joué. Sur Platine, j'avais pas mal joué, mais je sais pas. Il y a des noms, il y a des noms qui sont pas restés. Mister Bouette, est-ce que j'ai? Non, j'ai pas ce qu'il faut. Laporeille, ça par contre j'ai de quoi le faire évoluer largement parce que j'ai 150 bonbons. Donc hop, allez, en avant toute. Par contre, c'est vrai que ouais, les pièces c'est un peu dommage qu'on puisse pas en avoir un peu plus vite. Après, je fais pas non plus des masses de jeux, hein. Je joue quoi 10 minutes par jour, 20 minutes maximum, c'est pas ouf quoi. Je vais pas non plus aller chercher sans s'étendre les trucs. Affreux, toi j'ai pas ce qu'il faut là, et toi je pense que non plus t'as pas ce qu'il faut. Toi j'en ai eu un seul depuis le début. Cradopo de non plus, donc voilà. Donc on va revenir en haut. Ah ouais, mais je peux pas l'enlever comme ça, mais je vais le transférer parce que je l'ai eu tout à l'heure devant chez moi et il me sert à rien parce que j'en ai déjà un 500, donc je vois pas l'intérêt d'en avoir un autre plus petit. Donc alors je vais vérifier ce que j'ai dans les Pokémon qui sont évolués, qui évoluent par qui évoluent par par échange. Donc un Alakazam, est-ce que je peux me faire un Alakazam? Pas tout à fait. Est-ce que après les Mâconnières, j'en ai déjà un, ça pose pas problème. Le problème, je crois que j'avais regardé, je pouvais pas en faire un. Ouais, je peux pas en faire un, c'est dommage parce qu'en plus j'aurais pu faire un Growlithe d'Alola. Alors, qu'on peut faire? Qu'est-ce qui. Un ectoplasma, j'en ai déjà deux. Mais ectoplasma, au pire, je peux en faire un. Mais. Oh, j'ai déjà tout, presque. Il manquera plus que. Donc, il faut Grolem, Alakazam, et. Grolem, Alakazam, et ectoplasma. Je crois que c'est tout. Hein. Qui a à faire évoluer par échange? J'essaye de voir pour faire le tour et de voir ce qu'il faudrait. Je suis juste en termes de Pokémon, je suis à 448 sur 450. Ouais, j'ai une médaille pour les Pokémon d'Hoenn. Tiens, d'ailleurs. Même si. Si, en fait, si, c'est intéressant. Donc, on va prendre la banane.
Et on va lui mettre une hyperbole parce que j'ai pas envie de me faire chier. Voilà, nickel. Hop. Donc en plus en ce moment, je sais pas quand ça que vous verrez la vidéo, moi je l'ai tourné début juillet. Donc début juillet jusqu'à début septembre. En gros, il y a dans les trucs de terrain, il y a dans les études de terrain. Oh oui, maxi potion. Dans les études de terrain, en gros ici, là, il y a des Pokémon super importants. Enfin, pour ceux qui font pas les raids spéciales de légendaire et tout ça, qui ont pas des potes pour machin. En gros, dans cette étude-là, il y a en ce moment 4 Pokémon, je crois. Donc Latios, Latias, Kyogre et Groudon. Donc qui étaient avant en comment ça s'appelle? En raid, et qui y sont encore d'ailleurs. Mais vu que moi je fais quasiment pas de raid et surtout des raids comme ça, parce que quand on est seul ça sert vraiment à que dalle de faire un raid machin. Donc voilà. Donc sincèrement c'est vraiment très intéressant de pouvoir, d'ailleurs vu que j'ai besoin d'un gros lemme, je vais capturer celui-là avec une bananana. Allez, hop, bananana. Aussi, par exemple, si vous avez, disons, plusieurs téléphones et que vous pouvez, parce qu'au bout d'un moment, il y a une mission et que vous n'avez pas d'amis, hein, un peu comme moi. En gros, avec Pokémon Go, au bout d'un moment, il y a une mission qui vous demande de vous faire 3 nouveaux amis. Si vous avez 2 comptes, vous pouvez faire cette mission. Et en gros, vous mettez un ami, vous l'enlevez, vous le mettez, et vous l'enlevez, et vous le remettez. Et après, vous avez vraiment tout, en fait. En gros, vous avez l'intégralité de la mission, alors que vous n'avez pas vraiment eu 3 nouveaux amis. Mais bon, ça c'est une autre histoire qu'on parlera peut-être plus tard. Alors, non, on va pas fermer tout de suite. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, je crois. Je vais peut-être pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir zigouillé. On est pas mal, hein, même sur... Fais voir les Pokédex. Donc on en a 146 sur Kanto. Il m'en manque 4, 5, 5. Il manque 5 Pokémon. Il manque Mew, Mewtwo. Qui manque, bah, les Pokémon... Oh, attends, je vais voir parce que si elle se peut, t'as de mort, faut que je le... Donc il me manque les deux qui sont... c'est tout. Donc il me manque que Mew, Tauros, Kangourex et Grotanemort. C'est les seuls qui manquent à Kanto. Après là, il m'en manque un peu plus. Ouais, il me manque bien plus. Ouais. Donc alors on va se voir, on va regarder si je peux me faire vite fait le petit gros tas de morve, parce que pendant un temps il y en avait pas mal. Donc je sais même pas, j'ai dû le zapper le truc. Alors hop. Tas de morve, et oui je peux le faire évoluer, j'ai juste le nombre de bonbons qu'il faut, donc je pense que c'était prévu pour que je le fasse évoluer. Normalement j'ai fait tout le tour des évolutions presque. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît, ou vous a plu, ou parce que là on va pas tarder à arrêter, parce que ça fait un petit moment quand même, ça fait une petite demi-heure. Mais par rapport au Sonic que j'avais avant, bon après il fait pas non plus très très chaud, mais il n'y a pas un pet de lag. Mon téléphone, quand je le mets à charger, il charge. Quand je joue à Pokémon Go, il y a plein de trucs comme ça, franchement le jeu il clean quoi. Là, le téléphone est clean, c'est pas forcément le jeu, mais le téléphone est clean, il est plus performant que l'autre en termes de photos. Après, il fait vraiment le café nickel quoi. Voilà.
Là, non, j'ai deux trucs qui sont là, qui sont débloqués. Faut le... Par contre, ça, quand on a plusieurs trucs comme ça, faut les faire au fur et à mesure, faut pas les mettre. Par exemple, là, je les valide maintenant. Ça servira à rien. Étant donné que je peux plus tamponner en haut les différents trucs. Je pense que ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. C'est compréhensible. Là, j'ai un truc à faire. Voilà. Faire éclore 9 œufs. Oh, putain, le cochon. Et là, en gros, faut que je fasse des points avec mon copain. Ok. Ah, pardon. Donc, je pense qu'on a fait un bon petit tour de tout ce que j'avais. Je ne sais pas si j'ai fini, on va dire, j'ai fini sur le tour, j'espère. De toute façon, je vous montrerai quelques vidéos, je pense, la fin du jeu, mais je pense que le jeu finira jamais. Donc, on verra, normalement, au mois de novembre, il y aura du... peut-être, très certainement, si tout se passe bien, que j'ai pas de problème familial, comme ça, sur Pokémon, soit je serai sur épée ou bouclier, je sais pas lequel encore je vais prendre, mais soit sur un autre. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit j'aime, un petit j'aime pas. Comme ça vous plaît. Et selon ce que vous avez apprécié dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu un problème au cours de la vidéo, qu'il y a quelque chose que j'aurais pas vu. Voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était un petit j'adore, ciao ciao.